Bah ça va, le départ de course, ça s'est pas trop mal passé. Bon, après le bateau est penché là. Mais il y avait beaucoup de mer cette nuit. On a passé le plateau continental. On a essayé de s'amariner et de prendre un rythme de mer. Ça pulse là. Bon voilà, il y a plus de 30 nœuds. Le quatrième jour de course il me semble. Et bah, là on a déjà passé deux fronts, le dernier était bien copieux, bah, j'ai une petite pensée pour Amélie, pour Aurélien qui ont perdu le mât, j'imagine pas quelle galère ça a dû être dans cette mer-là pour se ramasser, fort à eux. Là je vais aller dormir et prendre une décision, savoir si pour partir dans l'Ouest ou faire du sud. Bonjour à tous, 24 heures que je suis à ralenti. Suite au gros vrac que j'ai eu, ma trinquette qui est tombée à l'eau hier dans la nuit. J'ai réussi à la récupérer, j'ai essayé de la renvoyer, c'est la gaine de la drisse qui a cassé. Et provoquant le fait que je puisse plus redescendre la voile sur le pont, il y avait 30 nœuds de vent. La drisse était coincée dans le mât, enfin elle est toujours. J'ai passé la journée d'hier au ralenti sous tourmentin. J'ai essayé de fuir le vent et la mer pour monter dans le mât, mais j'ai essayé, mais à 3 mètres de haut, je volais dans tous les sens. Ultra chaud, donc je suis redescendu et là il y a 2 heures de nuit à la frontale, j'ai réussi à remonter dans le mât et j'ai pu libérer ma drisse de génois qui était emmêlée et renvoyer mon génois. Et du coup là le bateau, ça y est, il va à une vitesse normale. Ouais, bon bah ça y est, je reviens un peu, il n'y a plus de front devant nous à passer. On va vers l'anticyclone et passer la dorsale et ensuite récupérer les alizés. Et voilà, je suis pas dans la position que j'aurais aimé être, mais voilà, je vais me donner à fond pour aller le plus vite possible aux Antilles. Allez, bonne journée, ciao. Un des rares petits moments plaisir qu'on a eu là depuis le début. On arrive en haut de la côte et on est content de... Je suis content que la montée soit finie. On va pouvoir attaquer la descente. Et la descente en bateau à voile, c'est sympa. Bon, alors ce matin, c'était la fête. Je me disais, c'est fini, la montée, on va descendre, ça va être génial. Même si ma position, c'est pas celle dont je rêvais. Au moment où le front passe, où le vent va commencer à être portant, bah, je vais taper un truc. Ça fait temaki qui est en chou-fleur comme à la Jacques Vabre l'année dernière. Donc voilà, au moment où c'était cool quoi. Le grain du matin. Alors c'est quand même à 20 nœuds. Un nœud malgré une quille abîmée, parce qu'on devrait aller à 1 à 2 nœuds plus vite là. Ah, un petit coucou depuis Crédit Mutuel, petit coucou des retardataires. On est toujours là et on essaye toujours d'arriver. Je suis fâché, je me dis que ça devrait aller un nœud plus vite et que c'est pas bien. Et là je me dis bon bah ouais, un nœud plus vite, mais c'est sympa quand même. Hein. Et soleil, on est au portant, on est sous spi, ça glisse. Guadeloupe. Allez, encore un petit effort et puis on sera arrivé. Là-bas, c'est la bouée de Basse-Terre qu'il faut passer. On voit les Saintes derrière.
après un petit bord de près et ça sera fini. C'est sympa là. Enfin, c'est sympa quand il y a du vent. Ce qui était dur, c'est que moi j'ai eu deux gros coups de changement et après avoir digéré le premier truc et je m'étais dit bon bah voilà, t'es pas là où tu veux mais hop c'est reparti. En deux jours j'avais réussi à remettre le bateau bien en montant quatre fois dans le mât avec de la mer, en faisant tout au mieux pour que ça soit fait au plus vite. Et là au moment où hop ça repart, bam, recoup du sort. Et à chaque fois il y a une phase où le psychologique il prend un coup. Et où après bah, tu digères et ça va un peu mieux. Et donc là après tu arrives à profiter et à te dire bon bah de toute façon j'y peux rien donc autant essayer de profiter. En tout cas c'était sympa, on aura des meilleurs. Bravo, bravo.